Coucou tout le monde, aujourd'hui il fait un temps super, donc je sors avec ma famille pour aller faire quelques courses. Je sais pas si vous m'entendez là, parce que là encore une fois il y a beaucoup de vent. Voilà ma petite fille, hop, fais coucou. Coucou. Et oui, donc on va au centre commercial faire quelques courses. Et aujourd'hui le thème c'est voyage. Donc de quoi je vais parler? Pensez-vous, Kalina? Je vais donc parler des endroits où j'ai été. J'ai pas été dans beaucoup d'endroits. Enfin, donc, j'ai pas été dans beaucoup d'endroits. Je viens de Madagascar, ma ville natale, c'est la capitale, qui est Antananarivo. Après, on a toujours habité à Tirabé. Donc, nous, on a toujours habité à Tirabé. J'ai habité à Tirabé avec mes parents. Donc, c'est aussi là-bas que j'ai fait mes études universitaires. Mais on faisait toujours les courses à Tana, presque tous les week-ends, vraiment sans exagérer. Presque tous les week-ends, on partait sur Tana, la capitale. Et pour les vacances, on partait surtout à l'est, à Tamata ou à Mbilalemate. Clin d'œil pour ceux qui connaissent Mbilalemate. Ensuite, on était aussi à Machanga pour des vacances. J'ai déjà aussi voyagé pour faire des vacances à Nusibé. Donc, je continue. Donc là, on est dans le centre commercial. Voilà, voilà. Fais coucou, tu sais. Donc j'étais à Nusibé pour des vacances également. Je suis aussi partie à Feneri West, Vavaten, Ilakak. Il y a quand même pas mal d'endroits où j'étais pas à Madagascar. Beaucoup d'endroits où je voudrais encore aller. Par exemple Diego Suarez, Tuléar, Fort Dauphin. Il y a vraiment de très beaux endroits où j'ai vraiment vraiment envie d'y aller, et c'est sûr que je mettrai tout ça sur ma liste quand je reviendrai pour une prochaine visite à Madagascar. Voilà, en gros c'est ça. Donc ça c'était Madagascar. Pour l'Europe, donc j'habite en Norvège, donc clairement je suis Norvège. J'ai déjà été en France, donc à Paris. J'ai déjà été en Suède, j'ai déjà été en Allemagne, à Francfort, et c'est tout. Ouais, apparemment c'est tout. Donc je voyage pas beaucoup non plus, mais bon. Ouais, voilà, pour l'Europe. Bon, j'ai jamais été en Amérique, ni en Australie, ni en Asie, ni en Inde, ni en Angleterre. Mais j'ai été à l'île Maurice. Donc, j'ai déjà été à l'île Maurice pour des vacances et pour une convention, parce que je fais partie du Lions Club. Voilà, Maurice, c'était très beau et je compte vraiment y revenir aussi. Hein. Voilà. Donc, où est-ce que j'ai envie d'aller? Sinon, donc bien entendu, il y a quand même des endroits où j'ai vraiment envie d'aller. Notamment en Europe, ça sera l'Espagne, la Grèce et l'Italie. En Amérique, j'ai envie de faire l'Amérique tout entier. Hein. Voilà, même le Canada, l'Amérique latine, j'ai envie de tout voir. Et j'ai aussi envie de faire l'île de la Réunion, parce que j'ai été en escale, mais on n'est pas resté pour les vacances. Quoi. Ensuite, j'aimerais aussi partir en Australie parce que j'adore les animaux. J'aimerais vraiment visiter l'Australie, et en Afrique, j'aimerais faire du safari au Kenya. Donc voilà, voilà pour ce petit vlog d'aujourd'hui. Là, on est au centre commercial. Donc on va aller acheter nos fruits et légumes pour la semaine. Et voilà, je vous retrouve demain pour un nouveau thème. Ciao, ciao.